est-ce que porte-étendard Yalamuka azana meeting lobby Nengumba Yamata dikuna na Congo central? Merci beaucoup. Naoti Kosorola na Deko Martin Fayoulou, président élu na Bandeko ya Matadi. Bandeko ya Matadi basengi biso que lobby bakozala disponible te, il faut ba reporter meeting wana la semaine prochaine. Mais Oeza confirmé ce qui tokei mata du lobby T, confirmation ezali po ya meeting ya Goma na meeting ya Kikwit. Ya mata du lobby non, sur demande de Bandeko ya matadi baoye bazo kamba mboka wana. Bon, tu évites, professeur, qui peut utiliser moi autobenga na lopoto une sorte d'euphémisme pour na kobumba moi bo solo moko wana na si. Est-ce que exacte pour Bandeko ya matadi bango moko population balobike bazana nous prête te, donc la population, ou bien ils ont des autorités provinciales, tout local, bangonde, mutubati moi, on peut koso ya kuboya mais saleli kaka et l'obeli moko ya ou la tisa moi et l'amba na makama lobozolo. Non, bande ba les autorités ya ville de Matadi, ba lobi ba kotaki na réunion ya sécurité entre eux, va estimer que il faut reculer la date. Et ça, la population et ça, les autorités de la ville qui ont estimé qu'il faut changer cette date. Merci. Donc, vous venez là de suivre les meetings qui devaient être tenu hier, pardon, demain dimanche, et que Salima Lissoussouté, Bandeko Baliko Kamba, et Ngumba Yamata, dit le Bakaka Congo Central Mobimba, parce que Tamba Salaka, réunion à sécurité, Tobengina Lopoto, Conseil Provincial de Sécurité, et Zaliete, Batalaka, Naba Makamounyonso, est-ce que le dispositif sécurité, pour Makamboué, le Kanakimia Mobule Zalate, est-ce que Koki, ba monique et ko quitter yango ba poussi moi moke date mais ba lobby que la muka a continué toujours meeting na ekuna mais lobby souté bandimi koyoka ba bande kuona. Mais est-ce que prince pengi awa ezali manière moko voileté ya ko interdire pour na kokende pende ngona au moment na to komi pe lisusu sima ya moi mikolo et comme ils sont non to komi kaka to bongani kaka te to bongani kaka te on peut aller comme ça hein donc kozonga sima na kozonga sima est-ce qu'ils a manière moko ya lolenge wana te. Merci pour na maloba akanisi te ozali na raison Bisso, tous allons de tirer profit ya ba disposition ya constitution o ezali ko pesa biso ningisa ya ko organiser ba manifestation publique to ko makimi kanda lolenge sengeli pona ville ya Matadi ete mukolo mwalobi dimanche meeting ya kafu ya ligue ndenge buti ko rappeler à juste titre était lors ya meeting na biso ya Sainte-Thérèse to baki deva ba million to ba milliers ba congolais centaines ba congolais te to ko banda tourner monene na Congo mobimba to bandi tourner ango to kenda na est to kenda na ouest to kenda na nord to kenda na sud pour na ko remercier pe ba congolais le lengue ba votaki massivement moi na mboka Martin Fayoulou
lenge ba porta ki e na ngwende o ba kobenga magistrature suprême pete lelo na Congo président élu président légitime ya RDC kombo na ye Martin Fayulu mais to lobaki pele si souhaite na tourner ango esengeli ko yebisa na bana mboka ete mokonzi nyonso euti na lokuta euti na violence euti na coup d'état esengeli tobo ya yango mais nous les accordons encore les bénéfices des doutes. Je ne vais pas tout de suite dire que voilà, même si nous savons très bien que le régime à Kabila est allé toujours en place, la méthode nango interdiction ba marche ya ba meeting est allé toujours. Rien n'a changé. Le combat pour lequel Papa Tshisekedi a pesa kibo moyinaye et sengeli to poursuivre yango. Parce que Kabila et son système sont là et nous ne devons pas kolobaete tout se désarmer, tout tiki ko marcher, tout tiki ko za vigilant. Non non, rien n'a changé, rien n'a changé. Makambo to ya lise ndenge et alaka. Cause à peu manière voilée dans le lobby, bah répondre peut-être poliment à biso était non meeting et aller lobby dimanche était mais commis pour ceux que yakuna, mais ils ont aussi une forme d'interdiction parce que je ne vois pas na psi le plan sécuritaire urgence ligne et aller dans ma tati au cas où ça a été meeting et à la moka ils allaient reporter. C'est une ville où il met ça na kuyambaba meeting. Moi-même je me rappelle à l'époque na cadre à force acquise de changement. Namwana boka Martin Fayulu on a pu la paix ba mususu to kendai ko sala marche monene je sais pas si quoi na 2015 na matadi pe le kaki malamu population matadi nde senga ki meeting wana namwana boka Martin Fayulu bazaki population ne zaki prête ba s'organisaki de manière pacifique makamoto zaki prêt donc meeting ya lobby na matadi ngeko za meeting moko démonstratif ba million ba tuenga na matingo ana mais le quoi ba lobete ba koza matadi ba bete to reportant opona mikolo muke to respecter yango parce que biso to ali ba démocrate contrairement ya oyo colonel plutôt général awa ya police accès à lobaki biso na ba meeting na biso nyoso ya lamuka meeting ya recherche ya vérité ba ione meeting ya recherche ya dignité ba congolais to kendaka c'est pona koyoka moto to pona kilo kola mokonza mboka population ya disciplinée mais kata meeting ya Goma en tout cas wana zali sur très sûr que na Goma meeting ya kafu yali koya ngana zaki lelo ba appel ya Butembo na zi ba appel même ya bata utuwele na bazuwele baza kozela Martin voilà, Fayulu to koma wana boti kolanda meeting lobby na Congo central, donc na chef lieu na ye, ou tobengi matadi, ezali susute, ba autorité provinciale, ba autorité urbaine ya matadi, ba lobiete, ba bongami na noté, mais ko poussa, to ko zongi sango sima, ezali nan pokoso, soki mokete, baza pre, soki ba komi pre, ne ko Fayulu, akosa la meeting na ye. Dans cette émission, en tout cas, nous, loin de nous, hein, où est la spéculation, loin de nous, l'intox, ce qui est dans le Koyo, c'est parce que c'est qu'on a vécu tout à l'heure là, parce que c'est depuis cet après-midi que le député national Adolphe Mozito, l'ancien premier ministre ou le premier ministre honoraire, est déjà de retour ici à Kinshasa, et une folle rumeur circulait aujourd'hui. Les États ont son casongi, parce que Makamboalobaki n'a pas média étranger. Alors, cette folle rumeur, Ndenge Tamboli, et comme même n'a accueilli Naye, même le protocole de l'aéroport, moi, je ne sais pas si je suis en train de dans l'isolement total, parce que au moment où je suis en train de rumeur, c'est fini, c'est la mort. On perd même l'essence, l'âme même de la République est perdue. Parce que moi, comme je suis en train de à tel enseigne que tina niveau l'aéroport où ils apportent d'entrée ya Mboka ya Congo romona mutu batiki yendengwana et abimi dans l'isolement total et ce qui n'est pas bien mais ici dans le cadre de cette émission la prévote
tolingi vraiment on s'attaque aux rumeurs na ba forme nango nyoso rumeurs nyoso on s'attaque nango yango tozolinga ke na cadre émission oyo kobenga batu bango moko za ba porte-parole donc ba communicateur pour tous makamu na source. Alors professeur Mathieu Kalele makamu su tuzaki nango lobby na cadre émission tolobaki makambu ya sommet ya Union africaine avant tout ya kobeta makambu ya Goma tobeta nando wana na mbwa lombango lobby tomekai koloba mais bandeko tuzaki na bango na plateau balobaki ke à l'issue ya réunion oyo bandeko kosalama mokolo ya lobby na Faden House nde tozwa décision finale tolingi toye bango pe na bino ba cadre ya lamuka tubandaki kuyoka esengelaki na makambu ya sommet oyo ya Union africaine kuna na Addis Abeba na Ethiopie ndeko Martin Fayulu qui est le porte-étendard de la Muka akokende pe kuna pona koluka kokutana na ba autorité ya Union africaine réunion Cécile Kilobi. Quelle a été la décision finale? Martin Fayulu sera Addis Abeba oui ou non et soko komeka pe ko motiver décision bozwaki ya kokende pour la nini akende s'occupe ya kokende de susuté akende te pour la nini akende te tout ni mo tout n'est pas nayo professeur Matikale ya liboso oyo ya etali monsieur l'ancien premier ministre Mozito c'était une fausse rumeur effectivement parce que le kola na lobby awa Natiki Adolphe Mozito et Paya Martin Fayulu. Ce soir, avant Naya Awa. Donc, le reste là, c'est allé par rumeur. Mozito a zongaki Awa. Oyo balobaki bako kangaye parce que alobaki, etc. C'est la radio trottoir na déplacement ya Addis Abeba to sololi yango da Martin Lelote en tout cas ce qui me concerne to sololi yango te mais na to discuter document moko mokanda oyo akomeli les chefs d'état et de gouvernement qui seront à Addis Abeba au sommet nazape na copie ya mokanda wana parce que na tangi yango to sali ba correction ba tindi yango pour le déplacement de lobby à Kokende na Addis Abeba à Kokende te nazali na précision à ta mon côté parce que na soloni na ye makambo wana te. Merci beaucoup professeur Bouti Kolanda professeur à lobby basola qui na été soki na tunaki mutuna oyo c'est parce que lobby ta moto yamba ki ndeko Lexus légal donc Alex Dende Mokwa ba communicateur abayi ke réunion ya lobby nabi ya lelo te me ya lobby na pokwa ezaki ki ba meka ko statuer sur makambo wana ko kende na ye to ko kende te et mais déjà c'est aussi une information ndeko Fayulu a komi quand même mukanda donc ba chef d'état nyos et de gouvernement qui prendront part à ce sommet de l'Union africaine du côté d'Addis Abeba nous sommes là en Éthiopie ba kotinde la bango mukanda wana bon premier ezana na bango batwana moyela tuna professeur te continue zanini mais boye bika eza entre na ba makambo ya vérité des urnes ata to kotina mozindo te donc ezali bongo est-ce que ndeko parce que professeur abiye a sololi na ndenge wana te mais ndeko na ndeko prince pengi yo koza na mo information concernant réunion ya lobby ou esama ki lobby Nasuka Nango, qu'est-ce qui a été décidé? Soko, qui a été sa biso, information pour comme ça tout évoluer
naba mituna mususu. Non, j'ai confirmé ce que le professeur a dit. C'est exact. Ndinga lobi mukanda et salami à saisir ba chef de tanyoso ba koyale sika iwana. Lobi ke ndeko Martin Fayulu azali na rang ya chef d'état. C'est un président de la République élu. Et il faut pas oublier que avant même ba publier ba résultat, lobi ke président Sassou Yangambo a bengi sakiye bakutana kipe parce que azana rang ya ba chef de l'état Fayulu azali moto azu confiance ya ba congolais. Mais je crois que en terme ya priorité peut-être na ikolo baite pour l'instant priorité ya ndeko Martin Fayulu loko la président élu ezali ya ko kenda na intérieur ya mboka c'est to ko sala loko la bande ko na biso susute oyo tango union africaine na lobaki awa botikana nu résultat le kuta ya nangawana cour constitutionnel a validé en côté et belé baleline ba bimi ba lobi la antenne ba fingi président Sassou ba fingi président Angola ba fingi ba président tout africain ba dictateur bana les sont peut servir sauter mais deux jours après bazok nous kobeta ba porte ya batoyiwana président Martin Fayulu. Pour l'instant, priorité na ye, et d'aller au Kibaba. Population à l'ingikomo na mokonzi ya ponoki. Donc, azako répondre tout d'abord na demande interne. Parce que la légitimité ne vient pas de l'Angola, la légitimité ne vient pas du Kenya, la légitimité ne vient pas du Congo Brazza, la légitimité émane du peuple. Et donc, président Martin Fayulu, azoko kende tout d'abord, remercier ba Congolais l'intérieur, pe ko yebisa bango ete, il faut résister pacifiquement. Contrairement à 2011, où les patriarches, les dénominateurs comme papa Tshisekedi alobaki, bopé manano yemoka kobunda, tout là nopongi, biso na 2018 tolobi, bi Yesu akufaka seko kam mukulu ya misato. Coup d'état ya misato Kabila sali contre Fayulu et que Simbate, peuple congolais ba debout. Donc, président Fayulu, alors que normalement na peuple congolais na intérieur avant tout, et puis il y aura aussi une tournée et je dirais presque panafricaine ou à Konokuta nana ma chef d'état moko même à Kamo professeur alobi ndenge alobi c'est exactement ça donc a commis mon kandana mais azano préoccupé na rencontre sur le plan interne na ba congolais le coup la meeting wana ya Goma ya le 15 ya poste au poto ibete bana Goma ba ko benga ba bi ba ko zelaye maboko ko fongo professeur Mathieu Kalele d'habiter soko ku banzango lisusu. La fois passée, tout ça, c'était vraiment hors caméra, hors micro. Je suis allé à la maison de Martin Fayulu le samedi 2 février à Sainte-Thérèse. Il a promis de